Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Au programme aujourd'hui, 3 bolides issus des années 80. La catégorie GTO, IMSA GTO, se met à jour dans Race Room Racing Experience et on va tester ça ensemble. Nous allons partir à l'assaut de 3 pistes avec les 3 bolides. L'Audi 90 qui a été remise au goût du jour et les deux nouvelles voitures, la Ford Mustang ainsi que la Nissan 300 ZX. On ne perd pas de temps les amis et on saute dans la première course. Allez, c'est parti. Oh, c'est compliqué pour certaines voitures. Oh, le contact avec la petite copine. Rien de dramatique. On poursuit dans ce premier tour au volant de cette Audi 90 IMSA. Oh, la dérobade devant, très jolie. Nous, on va aller un petit peu au large, évidemment. Il y en a toujours une à droite, on ne l'a pas oublié. Une Nissan à droite. Il va tenter de croiser, non, même pas. Oh, c'est énorme. C'est juste énorme. Essayer d'ouvrir, mais là on n'a pas eu la place. Oh là là. Fin du premier tour ici à Laguna Seca et que de sensations au volant de cette superbe Audi. Que de sensations. Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après ce premier tour, on va continuer à progresser pour confirmer un peu ce qu'on ressent. Mais un mot me vient à l'esprit, précision. Incroyable avec quelle précision ces monstres peuvent être manipulés. Vous savez, quand je sors d'un virage, j'ai littéralement la sensation de laisser de la gomme sur la piste, de cramer de la gomme. C'est vraiment dingue. Alors, au niveau des freinages, la voiture a tendance, évidemment, à vouloir passer le train arrière devant. C'est tout à fait spécifique à ce genre de voiture. Oh, alors là, si on y va... Ça aurait été un petit peu trop. En tout cas, les sensations sont assez précises. On a quelque chose de beaucoup plus travaillé que ce que nous offrait cette Audi 90 en termes de comportement depuis la mise à disposition de la voiture dans Race Room. On en retente une à l'extérieur. Oh, il s'est passé, on est allé nous donner un petit coup de push pour nous aider. Alors, on repart. Perdu quelques plumes dans la bataille, mais rien de grave. Une fois de plus, Race Room a pu nous faire du très bon boulot. Et surtout, les gars de Secteur 3, nos amis du nord de l'Europe, nous ont sorti une Audi 90 totalement retravaillée. Alors, pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas retesté cette Audi depuis la mise à jour du 20 octobre qui avait amené son lot de nouveautés dans Race Room et quelque chose d'absolument incroyable en termes d'update de physique. Et là, je redécouvre cette Audi que j'avais laissée à l'abandon il y a quelques mois. En étant un petit peu fâché avec elle parce qu'elle manquait littéralement de sensations, c'était simplement de la savonnette. Vous ne pouviez pas toucher l'accélérateur sans partir, alors que maintenant vous pouvez accélérer en bas régime,
vous allez être en sous-régime et lorsque le turbo décide d'entrer en action, vous allez avoir votre coup de pied au derrière, le fameux coup de pied au derrière spécifique à la physique de ces voitures des années 80. Absolument superbe le comportement de cette Audi, une répartition absolument parfaite des charges, c'est du 50-50. Le moteur fait le travail, le couple est démentiel une fois que le turbo est là. Les aspérités de la route sont très très bien retranscrites avec cette Audi. Je ne sais pas pour les autres, on les testera après. Mais c'est le premier run que je fais avec cette Quattro depuis longtemps. Et bon sang que c'est bon! Au niveau des IA, elle est à 105. Si vous vous posez la question, j'ai encore un peu rehaussé le niveau de jeu, comme on me l'avait conseillé après la dernière vidéo de présentation, même si pour moi ça n'avait pas changé grand chose. Vous voyez que voilà, à 105%, on peut aussi avoir de la bagarre. On est en après-midi. La piste est tiède, quoique 30 degrés c'est quand même pas mal. La dérobate du train arrière qui est juste à la limite et vous donner un petit coup de volant pour corriger et elle vous revient dans les mains. Elle est juste génialissime. Allez, on glisse encore. À chaque freinage, c'est démentiel. La sensation de glisse est juste parfaitement dosée avec cette Audi. Alors j'espère que les deux autres voitures ont un comportement différent. Ce devrait être le cas. Mais en tout cas, on comprend pourquoi la machine allemande avait dominé à l'époque le championnat en 89 et 90. Voire en 91, si je ne dis pas de bêtises. À moins que je me trompe dans les dates, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. Vous me corrigerez, vous êtes très bon d'ailleurs à ça, dans les commentaires. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Au niveau du son, rien n'a changé. Ça ne sert à rien d'évoquer littéralement le son. De toute façon, vous allez avoir quelques plans de la voiture évoluant sur la piste au montage. Mais le bruit de cette Audi est quasiment le même. Il n'y a pas eu peut-être quelques ajustements au niveau des bruits de piste. Mais ça, c'est spécifique à Raceroom et non à cette Audi. Allez, s'accrocher là au vibreur. Donner la réaccélération, prendre le coup de pied. Allez, on ouvre. Et là, il n'y a pas la place, malheureusement, une fois de plus. Mais dès qu'on touche les freins, on a l'impression, littéralement, oui, de sentir l'arrière se déplacer exactement comme on le voudrait pour replacer la voiture dans l'axe. Et là, on va encore faire très fort à la réaccélération. Allez, on y retourne. À l'issue de ce cinquième tour. Et côte à côte, il va falloir aller toucher les freins. Et bien voilà, pris à ton propre piège, ma chère. Ouf, le retour en piste était compliqué là pour notre coéquipière. En tout cas, cette Audi se voit attribuer de nouvelles livrées. Elles sont maintenant au nombre de 5. Et tant qu'on y est, on peut vous dire que la grille complète, si vous ne voulez pas de doublons dans les skins, vous monte à 19 bolides en piste. Alors, est-ce qu'on va avoir encore de nouvelles livrées? Sincèrement, je ne pense pas. Peut-être de nouvelles voitures. En tout cas, la Nissan avait été annoncée il y a longtemps. La Ford plus récemment. On va aller les tester dès la fin de ce tour. Oh là là, mais les sensations sont démentielles. C'était l'époque du pilotage champagne, quoi. On pouvait brûler de la gomme sans perdre de temps ni de performance. Et c'était beau à voir. On a pas mal ciré au départ et ça part bien avec cette Mustang.
On allait tenter de prendre l'extérieur, mais on n'en a pas eu le jeu. Le choix, l'intérieur nous a été imposé par l'autre Mustang. Pour l'instant, un beau départ. Et dans ces premiers hectomètres, on est très prudent. On va pas se faire piéger. Oui, allez, à l'intérieur, une et peut-être même deux. Alors, on va peut-être manquer de couple là, ouais. On était un peu trop bas en régime. Oh là, ça se dérobe. Ça perd l'adhérence sur le train arrière. Toujours à 105% pour l'IA. On va aller voir du côté de la voiture numéro 14 si on peut porter une attaque. On aurait pu rester en 4, je suis tombé en 3 par habitude. Oh, et dans la descente. Et ça résiste même bien. Alors on aurait pu rester en 3, on aurait peut-être eu assez de relance. En tout cas, premier tour terminé ici sur ce toboggan du Sachsenring. Et les premières sensations de cette voiture sont plutôt bonnes. Pourquoi ? Parce que eh bien, elle est un petit peu plus agressive et exigeante que l'Audi. L'Audi est ceci dit parfaitement équilibrée. Mais ici, on a plus la sensation d'être face à une voiture qui demande de la gestion constante du dosage de l'accélération. Et voilà, vous le voyez, les petites dérobades sont faciles à contrôler, mais ça reste très délicat dans les relances. Contrairement à l'Audi, où là, vous pouvez mettre le pied dedans et attendre que ça vienne. Ici, il faut doser constamment le potentiomètre de votre pédale d'accélérateur si vous ne voulez pas terminer avec le train avant contre un mur de béton. Ici, on va essayer de rester en 4, voir si on a gardé assez de couple. Oui. On va essayer de tenter notre chance comme tout à l'heure. En étant simplement à l'intérieur, mais à la relance, on ne peut rien faire. Au niveau du son, c'est beaucoup plus bestial. Alors qu'on a une Nissan derrière qui a tenté de s'infiltrer. Ça n'est pas passé. En tout cas, cette Mustang est plus compliquée à conduire que l'Audi. Et pour l'instant, je l'apprécie un petit peu plus parce qu'elle correspond un peu plus au comportement que je me fais de ces voitures. Des voitures avec de grosses capacités de grip au niveau des gommes. Et une fois que ça part, eh bien, tant pis pour vous. Fallait pas jouer avec les limites de la voiture, mais il faut constamment les toucher, mais ne pas les dépasser. Sinon la sanction est immédiate. Avec cette Mustang en tout cas. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure avec l'Audi. On retente ici. Parce qu'on a une bien meilleure sortie que la Mustang. À l'intérieur maintenant, ça peut le faire. Oui, c'est passé. Alors on va vous laisser également quelques plans pour apprécier cette voiture. Dans la dérive. Et sincèrement, on la sent beaucoup moins équilibrée que l'Audi, beaucoup plus massive surtout. On sent la largeur et l'empattement un peu plus important. Regardez, en étant un peu plus souple sur les rapports, on arrive à se rapprocher des garçons devant nous.
un train avant qui est beaucoup plus sous-vireur de base aussi, une voiture bien moins facile à placer que l'Audi. On voit à quel point la Nissan manque de stabilité dans les enchaînements. Oh, on va pas y aller trop au contact là. On va quand même tenter notre chance. Et d'ici quelques instants, alors que ça rentre pour une Audi, sans raison, course sprint, mais bon, ça rentre. Et nous, ça passe à l'extérieur. Et véritablement... cette Mustang qui fait la différence par rapport à l'Audi. Donc pour l'instant, et puis l'intérieur est plus sympa, beaucoup moins propre, beaucoup moins usine. Oh, en deuxième, le coup de raquette. Oh non ! Et ben voilà. Quand je vous disais qu'on est constamment à la limite avec cette voiture et que si vous la dépassez, vous êtes puni, c'est ce qui vient de m'arriver. Avec une consoeur devant nous. Et on va terminer ce tour de compétition ensemble. Et là, j'ai flingué mes pneus en voulant repartir trop vite. Et j'ai des plats absolument atroces dans le volant. Alors, au niveau des... sensation de la route, on est sur quelque chose d'exactement pareil que sur l'Audi en termes de compréhension, de temps de décrochage du train arrière et tout ça. Sincèrement, rien à dire puisque on est sur un comportement assez similaire à celui de l'Audi. Seule la balance de la voiture vous donnera quelques sueurs froides avec un train arrière beaucoup moins bien éduqué que celui de l'Audi. Allez, on va en terminer ici avec cette Ford. Et on se dit à tout de suite pour tester la Nissan. Un départ compliqué, mais on est bien parti finalement. Alors, après le départ que je vous ai laissé vivre, avec cette troisième et dernière voiture, la Nissan 300 ZX, outil venu du Japon, et c'est pas encore la même mayonnaise que ce à quoi on avait droit tout à l'heure avec la Ford et encore avec l'Audi. On va attendre la fin du premier tour pour vous donner les premiers retours que j'ai de cette voiture. Mais c'est dingue, c'est la preuve que Raceroom peut créer vraiment des comportements d'une précision absolument incroyable.
Alors, cette Nissan, qu'en pensez ? Eh bien, elle est bien différente de ses deux petites collègues. Attention à l'Audi là qui va nous chercher, c'est pas cool. Mais qui se calme tout de suite. Alors, au niveau du comportement, on a quelque chose de beaucoup plus soigné au niveau aéro. Une voiture qui tient bien le pavé. Et qui ne vous surprendra pas à grande vitesse, mais à petite vitesse, genre dans des virages en deuxième comme ici. C'est quelque chose qui peut à la relance, si vous êtes un petit peu fatigué ou moins concentré, vous surprendre. Il faut être très tolérant avec la pédale d'accélérateur comme avec la Mustang. Mais ici, on a une souplesse et une sagesse dans le comportement absolument marquée par cette voiture. En fait, elle est très souple dans son moteur, elle est très souple dans son comportement, elle est coulée, elle est très calme, elle est très asiatique. C'est horrible parce que c'est un cliché, mais le comportement présent avec cette voiture est juste encore différent. Surtout si je passe pas la vitesse, ça va pas aller, mais bref, c'est encore quelque chose de différent. C'est fou. Et pour l'instant, c'est celle avec laquelle je m'en sors le mieux. On a vraiment trois écoles. L'école allemande, c'est carré, c'est précis, c'est imparable. L'école américaine, muscle car, grosse puissance, gros passage de roue, faut des bras pour tenir la bête. Et le calcul japonais, la précision, le respect. Trois voitures dans la même division, mais en comportement si différent. Et regardez ça, on va plonger ici pour prendre une nouvelle position. Vous vous dites, oui mais si j'ai de l'argent que pour une, laquelle prendre? Bah ça dépend de votre style de pilotage. Si vous êtes quelqu'un de très précis, optez pour l'Audi. Si vous êtes quelqu'un de très violent, de robuste et d'agressif, optez pour la Mustang. Et si vous êtes calculateur et réfléchi, optez pour la Nissan, mais les trois vous procureront du plaisir dans leur genre. A vous de déterminer laquelle vous sied le mieux. Sincèrement, quand je vois qu'on nous a fait payer 3€ pour une Formula Junior et qu'ensuite on nous propose ce genre de voiture pour, je crois, 7€, 6,99€ pour obtenir ces voitures. Il n'y a pas photo, plongée, allez y mettre une carte pay safe card ou alors ce qui vous reste sur votre PayPal, parce que là, Race Room est de retour après la déception que tout le monde n'a pas partagée de la Formula Junior. Ici, on a quelque chose de violent, de robuste, on a des bombes littéralement en piste. Vraiment plaisir, la catégorie IMSA qui ne comptait qu'une voiture, l'Audi, qui n'était pas travaillée, qui était juste présente depuis le mi-développement. Et alors là, on a quelque chose de démentiel. On attend maintenant les pistes, messieurs. Sortez-nous les pistes Willow Spring et autres. On a envie de voir des pistes américaines bien sales comme, je ne sais pas, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit là, mais il en manque quelques-unes. Mais Mid-Ohio s'y est très bien à ses voitures. Ce pack qui coûte entre 5 et 7 euros, jusqu'à 10 euros si vous n'avez encore rien du tout, vaut le prix si vous êtes passionné ou non, parce que ce sont des bestioles à dompter et vous allez prendre un malin plaisir à apprendre à gérer ces petites bêtes, ces grosses bébêtes, pardon. Sur les différentes pistes vallonnées de Race Room, vous allez ressentir toutes les aspérités des circuits. Ce sera vraiment quelque chose de très agréable derrière un volant. Le son, rien à redire, elles sont parfaites. Et alors avec une boîte en H, c'est juste démentiel. Et le tableau de bord à l'intérieur de cette Nissan me fait penser que à l'époque on s'embêtait pas. Il y avait des jauges, il y avait des boutons. Et tout était câblé à l'arrache. C'est absolument fou de voir ça aujourd'hui. C'est même impensable. Oh, je la perds, là je l'ai perdu.
J'ai été trop loin, et vous voyez. Alors certes, elle est un peu plus calculatrice, un peu plus tolérante, mais il faut pas jouer au plus malin avec elle. Il y aura eu des erreurs avec les trois voitures, parce qu'elles sont toutes les trois, eh bien, avec un sale caractère, et ce sera à vous de les attendrir et de les dompter. En tout cas, ça ne va pas, ça c'est clair. On va repartir, mais on va se laisser ici pour cette découverte du pack. Donc IMSA GTO pour Race Room Racing Experience est disponible sur Steam, sur le store Race Room. Vous avez le lien dans la description. Et là, on a perdu totalement la voiture, comme à chaque fois qu'on fait une faute, on perd les températures et la voiture ne réagit plus. Mais en tout cas, en un mot, foncez. C'est clair, il faut aller tester ces bagnoles. Alors avant de dépenser, si vous êtes un petit peu ric-rac, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des tours d'essai qui sont offerts par le jeu. Voilà, c'est ici que l'on va se quitter pour la découverte de ce pack IMSA GTO pour Race Room. Tous les liens sont disponibles dans la description. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste, les amis. Ciao !